Thank you.
est la vie. Il s'appelle le vivant. J'aime beaucoup cette appellation parce que ça sonne bon, la vie. Parce que toute la terre était dans la mort. Parce que toute la terre était dans la mort. La chute d'Adam. Depuis la chute d'Adam. Et personne ne pouvait lever la tête pour vaincre la mort. Et on cherchait royaume à ténèbres pour être dans la lumière. On cherchait celui qui pouvait faire quitter les hommes des ténèbres vers la lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Où étaient beaux les animaux mouillés. Il y a eu un homme. Et les hommes qui ont moto à se pointer comme le vivant. Qui s'était pointé comme le vivant en motonabomo. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ son colonabiso. Vaincre la mort. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi son cosanae, c'est pourquoi si tu es avec lui, il faut être heureux. Que ton cœur ne recule pas, soit dans la paix. Tu as le roi qui connaît tout ce qui viendra dans l'avenir. Qui connaît ta respiration jusqu'à ce qu'elle prendra fin. Si tu promets quelque chose, si tu promets une chose, maintenant, il connaît ton temps. La chose se réalisera certainement. Il ne manque jamais. Il est la vie. Il faut croire ainsi. Le Seigneur qu'on dit ma pauvre. Il est différent de penser les hommes. Le Dieu que nous prions est vivant. Quel que soit le problème. Toi demeure toujours dans sa présence. Davantage. Il dit toi davantage de bois. Refuse le péché. Refuse tout le monde à s'attacher toujours à Nzambe. Ces promesses s'accompliront sur toi. Il est fidèle. Azalisem. Quel que soit le combat. Ezalabitumba lolenge. Azamolongi. Il est le vainqueur. D'âge en âge, depuis longtemps. Mikekira mikekim takala. Alonga. Il ne fait que vaincre le contrôle par la malesse naïe. Si tu observes son comportement, tu ne verras pas une année de défaite. Il est vainqueur. Mais à sa il t'a fait aussi vainqueur. Il ne faut pas reculer. Il t'a donné la victoire sur la mort. Sur toute la vie du péché. C'est pourquoi les péchés ont dominé le colon. C'est pourquoi le péché ne peut pas dominer les impudicités, la licorne, l'orgueil, l'amour de l'argent, le consentement, la terre, dominer le colon. Et toute mauvaise nature ne peut dominer ce monde. Et ces démons savent que tu es le chef. Il faut n'y attendre. Et tu dois les fouler au pied. Ceux qui ont tenté longtemps. Et si ces démons viennent te tenter, il faut les vaincre. Parce que le Seigneur le qui est sans la carte, on ne sait pas, mais ne nous soumet pas à la tentation. On a le qui semble la boutique à pisoter dans ma Seigneur. Délivre-nous du mal. D'abord, la pisson dans ma paix. Mais il faut vivre quand même. Il faut le vivre dans ta vie. Que le mal est joyeux, mais on sera délivré. Que le mal vient, mais que tu es délivré à vous. Ils ont pour avoir emprisonné. Et que le mal ne peut t'emprisonner. C'est ça, l'œuvre de saint Jésus-Christ. Il y a mon mon salaire, il y a mon sang Jésus-Christ. Il faut vraiment vivre et respirer la crainte de Dieu. Il faut désirer que ta vie respire la crainte de Dieu. Il faut aussi péla na yango. Tu dois te réjouir de cela. Et bon inangai et respirer la crainte de Dieu. Que ma vie puisse vraiment respirer la crainte de Dieu. Namon dans le monde comme de la boue. Namon amon qui loko la poto poto. Comme Paul l'avait dit dans Philippiens 3. Comme gain, mais la monnaie de la boue pour l'excellence, la connaissance à Christ. Tout ce qui était moi comme du gain, je l'ai trouvé de la boue à cause de l'excellence de Christ. Il faut que ça la bonne. Et cela doit être aussi ainsi pour toi. Qu'il faut que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ne pousse à ne pas y en zambé, ça dit au lame. Que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, cela doit remplir ton cœur. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de vivre la vie à sainteté. Oui, que l'homme a coquillé, ça dit qu'on bica à bon mouillard au sang. Parce que Romains 5 nés, la vie sur quoi on a ton combat.
comprendre. Parce que c'est Romains 5 qui nous aide à comprendre. Et le but à partir du verset 17. À partir du verset 17. Par l'offense d'un seul. Nalisumu ya moto moko. La condamnation est étendue sur tous les hommes. Et tout pour étendre à l'école à Batonios. Un seul a péché. Moto moko a souka. La condamnation est sur Batonios. Et la condamnation s'est étendue sur tous les hommes. Le moko par l'obéissance d'un seul. La justification soit plaisir. C'est possible de vivre la justification parce qu'un seul a obéi. C'est celui qui avait obéi, c'est Jésus-Christ. Il faut te retrouver en lui, Jésus-Christ. Parce que par son obéissance, oui, la justification s'étend sur plusieurs. Oui. La désobéissance à mon corps et tout de la même manière par l'obéissance d'un seul, la condamnation est tombée sur tout le monde. L'obéissance à mon corps aussi. Et par l'obéissance d'un seul, la condamnation est ôtée. Et la condamnation est ôtée. Il faut croire. Essayez le condiment. Qu'il est possible de vivre sans vie à ma masturbation. Et qu'il est possible de vivre sans vie de masturbation. Il faut croire, ma katinaïa. Essayez le condiment. Que c'est possible de vivre sans ma vie à ma porno. Et c'est possible de vivre sans suivre les pornographies. Vous êtes esclave, ma gamouana. Tu n'es pas esclave. Il faut croire. Essayez le condiment. Que ma roumon a ôté la carte à ma milanoua. On ne peut pas te trouver dans les ivrogneries, dans les chambres. Parce que Christ a tout vaincu. Oui, que Christ a l'ongagné. Le Seigneur a vaincu les péchés. Pour le l'ongagné, il sou. Nyonso les années un péché, forme nyonso le péché. Dans toute forme de péché. Il y avait impurité, il y avait publicité. On doumba, Christ l'a vaincu. Christ soit l'homme qui a. Pour moi, la victoire en Akatinao, il faut croire. Et pour voir cette victoire en toi, tu dois croire. Vous voyez, bah, que le diable est faible. Que tu saches que le diable est vraiment faible. Tu sais, oui, tant que l'agneau a été sacrifié en Égypte, lorsque l'agneau était immolé en Égypte, Pharaon voyait pour retenir Israël. Et Pharaon ne pouvait plus retenir Israël. Le fait que l'agneau était mort, quand on a su Israël, il ne pouvait plus retenir Israël dans son royaume. Israël a bimé comme prince. Israël est sorti comme un prince. A son bimé, il est le lobby d'Exode 13, les mains levées. A bimé, ma boko et Zaka Mignololo. Et les mots à montagne, c'est que Pharaon a dit qu'il n'a pas eu. Et pour montrer que le jour a été ôté, a son bimé avec joie. Et puis, ça m'a aimé. Et puis le Seigneur lui avait dit, Koutana na moto azana égyptien, rencontrez et demandez-lui les choses. Il doit vous donner les choses de valeur. Pour ça, que vous trouvez grâce à Missou Yabato Bazalaki, vous dominez. Et moi-même, je ferai grâce que vous trouvez grâce à leurs yeux. Donc, Bazalaki, que Égyptiens sont les larmes en Alibosso. C'était que les Égyptiens pleuraient leur premier. Mais Israël, d'ailleurs. Maintenant, Israël vient de se faire. Il n'est pas venu les consoler. Non. Corona Bazali. Il y a le premier maître de la maison est là. Parfois, il penserait qu'on peut lui donner le pouvoir. Parce qu'il pleurait son âme. Mais s'il s'approche de l'Israélite, entre d'abord dans ta maison, prends toutes tes bijoux. Et c'est ce que j'attends parce que je sors de l'Égypte. Vous passez la matin là. Qui est rendu. Mais ça va pas si on te donne et le Seigneur a donné l'ordre de le dépouiller. Et ça les mains. Mais cela s'est passé en Égypte. Parce que l'agneau est déjà confié. Le témoin n'a pas été circonfait. La force de l'agneau est dépouillée l'Égypte. La force de l'agneau a fait cesser la force de l'agneau. Israël a béni avec la joie. A sentir que Zambé, Abraham, Isaac, Jacob étaient fidèles. Il a senti que le Dieu de leur père était fidèle. Quel que soit le temps. Et ça va attendre. Quel que soit les années. Et ça va. Mais la parole s'accomplira certainement. Il ne veut que qui s'en va dans le sol en pétard. Dieu accomplira toujours nos soyons promettants. Le Seigneur accomplira tout ce qu'il avait promis. Il faut sentir la carte de que pour séduire les âmes et joie. Il faut sentir en toi que servir le Seigneur est un joyeux service. Pour vivre la sainteté. Au bic à vos sang. Et c'est le comme plaisir. Donc c'est un plaisir pour toi. Au bic à une vie
vivre une vie de fuir le péché. Sanctification, et rester là où il y a la sanctification. L'obéissance à la parole. L'obéissance de la parole. Il faut savoir que le Seigneur. Cela doit te donner de la joie. Que tu puisses avoir de la joie dans des milliers de pécheurs. Lot na Sodome a été tourmenté. Lot na Sodome a mis tout mis sa comportement et c'est qui na Sodome. Dans le comportement qu'il y avait dans Sodome. Yo aussi de même. Et yo peut le même. Il faut s'entendre que ceux qui m'ont assassiné les paroles, tes esprits viennent s'irriter dans la tête. Tu dois sentir l'irritation de la parole de Dieu, de l'esprit lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Ça, il faut. Attends la macassante. Oui, vous acclamez jamais les péchés. Ou bien tu l'as mis sous le mabon côté. Mais les péchés vont t'éliminer. Et tu vas t'opposer au péché. Parce que notre cité n'est pas en bas. Oui, tu es mon ami, ceux qui sont assez. Et les Philippiens 3, verset 20 et 0. Comme le dit Philippiens 3, le verset 20. Notre cité est d'en haut. Et vous m'avez dit, ceux qui sont à l'école. Awa tosa, ba étranger. Awa tosa, ni ma paya. Yamo, comme on a la parabole, ni la samaritaine. C'est pourquoi dans le parabole du samaritain. Tango, samaritain a dit qui c'est qui m'entoure, et Zala qui a demi-mort. Lorsque le samaritain avait guéri l'homme frappé à demi-mort, a dit qui est né na hôtel. Il avait laissé entre les mains de l'autre. Donc, on met à l'autre, mais dans l'hôtel. À l'hôtel. Donc, il est un signe à passager. Donc, le signe du passager. Donc, mais un peuple beaucoup étranger. Ils sont un peuple étranger. Et donc, on a fait sonner la carte de la que Awa Toza comme pèlerin et étranger sur la terre. Et ça doit sonner en toi que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Parce que la responsabilité que le Seigneur a pu, ça qui a pu, c'est un ministère de la parole. Parce que la responsabilité était donnée au ministère de la parole. Pas un homme. Dans mon côté. Ministère de la parole. Parce que nous sommes à ministère de la parole et vos amis sous la haute état de sa forme. Le ministère de la parole ne te fera pas regarder les choses de la terre. On a le mis dans Colossiens 3, verset 1. On dit dans Colossiens 3, verset 1. Si nous sommes ressuscités avec Christ, ceux qui puissent te séparer au grand Christ, pour s'affectionner plus des choses d'en haut. Donc, mes salades, tout le monde est mis dans le monde. Donc, et c'est mon nom, ma casse, c'est ma cambo à Nicolo. Donc, plus ta joie, c'est pour les choses du ciel, les âmes à cambo à et non les choses terrestres. Nyonso, oyo, yonzan, basale, layo. Tout ce que le Seigneur a accompli à ta faveur. Et ça d'abord pour Ozonga Eden. C'est d'abord pour retourner en Eden. Et donc, comme on est bien moi. C'est ça la plus grande chose. Donc, comment on attend, c'est quoi? C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité. Effectivement, tu es mis très bien. Effectivement, nous le savons. Et Jésus-Christ, par mes mains, qui est. Nakatia Tumbo. Jésus-Christ, on l'avait amené dans le monde. Dans Joseph d'Arimathée. Dans Joseph d'Arimathée. Il avait qui bandé dans la linge. Il y a la kanga qui est bilamba. Ah, c'est comme ça que le juif passait au Kunda. Et c'est comme ça que le juif en sévérissait les gens. Mais, tant qu'on s'est cuit. Lorsqu'il est ressuscité, tant que Pierre a qui appris que ma femme va y aller pour annoncer Bana. Lorsque Pierre était venu après que les femmes lui ont annoncé sa résurrection, il a trouvé toutes les bandes, les linceuls là où on avait posé Jésus. Il fallait qu'il puisse poser la question. Parce que ce sont ces bandes qui couvrent. Et c'est ce qu'il a laissé. La réponse que je veux donner à Pierre, il était entré dans sa chambre. Je suis attentivement. Et on l'a vu dans quelle tenue? Marie t'a nazaré pour la solution. Lorsque Marie cherchait la solution, Amoni un jardinier. Amoni Moussa est un miracle. Azon conseiller. Il conseille. Ce qui ont dit aussi notre Seigneur. Si c'est toi qui as pris le corps de notre Seigneur. Il m'a mis sur place au tir. Dis-le-nous là où tu l'as mis. Mais il parlait d'un Seigneur. Ça serait pour le bien. Seigneur, c'est pour nous. Ce qui Zamba et Missy ont été. Oye, baye. Si le Seigneur ne te servait pas à toi, tu peux te faire. Oye, Banzambe, Zamboulou. Connaître le Seigneur est une grâce. Mais fais pour Fania. Le fait que tu es là, mais ça m'a cassé la tête. Ce n'est pas que c'est parce que Dieu t'a choisi. Ça n'est pas que tu as fait à Pona et au Kala. Mais il y a un mot. C'est pourquoi tu es dans la parole. Ne pense pas que tu es venu ici seulement par invitation. Le Seigneur a épié. Le Seigneur te connaît. C'est pourquoi il a fait que tu te retrouves ici. Marie pensait que c'était un jardinier. Azalek au Kanisaloko la Moussa était au Bongisia.
Si tu Jésus a c'est quoi qui n'a tenu. Si on te pose la question avec quelle tenue Jésus était-il resté? Au Bessie Maman Jean chapitre 20. Tu leur donnes Jean chapitre 20. C'est quoi qui n'a élamba et ma jardinie. Il fut ressuscité avec la tenue de Jean. Et si on te pose la question pour moi, c'est au jardin de Ben. C'était pour nous remettre le jardin d'Éden qu'on avait perdu. C'est pourquoi il devait s'identifier à un jardinier. C'est pourquoi il devait s'identifier à un jardinier. D'abord, Marie t'a entendu. C'est pourquoi Marie, lorsque Israël, parce qu'en Israël, on reconnaissait quelqu'un par son vêtement. Vierge, vierge. Si la vierge est des vierges en Israël, elle doit changer la tenue. Elle doit changer sa tenue. En Israël. En Israël. Vierge, si elle est vierge, elle aura l'habillement des vierges. C'est ça, Israël. Il y a un mot d'Israël. Et si on est un sacrificateur, si elle est sacrificateur, il y a des lavages sacrificateurs. Il y a des vêtements sacrés des sacrificateurs. Si on est un roi, si le roi, le roi a sa tenue. Donc la tenue du roi, c'est le pourpre. Donc si il a la pourpre, tu ne peux pas t'approcher de lui. Si il n'étend pas le sceptre royal vers toi, tu ne peux pas t'approcher. Ou bien tu mourras. Et c'est ce qu'Esther avait dit. Jésus, avant sa mort, quand on va soldat, lorsque le soldat s'est joué de Jésus avant sa mort, et ça éliminé. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a revêtu de vêtements de pourpre. On lui a salué. On lui a salué au roi de Dieu. Beauté au Kotabayou. C'était vraiment la vérité. C'est lui qui détient la pourpre. C'est Jésus. Isaïe Christ. Il est roi. Azali Mokoutou. Mais il s'est dépouillé. Parce que l'homme ou pas. Parce que lorsque l'a tétié, lorsqu'on l'a fait. Après on a. Après on a expliqué le mouvement de Dieu. Ils ont expliqué tout le mouvement. C'est lui qui est cèdre. Oui, Azali c'est un cèdre. Arbre de sa royauté. L'arbre qui représente la royauté. Mais comme ici, Isaïe. Mais il est devenu Isaïe. On l'a fait porter le pourpre. On l'a salué. Et puis on l'a dépouillé. Il s'est dépouillé. A mis le mot là qui est. Il est roi. Il s'est fait serviteur. A mis sa vie au sali à bateau. Mais Bazo, ça l'a dit. Bazo, c'est caé. Et est-ce qu'il accomplissait cela par moi? Mais il confirmait ce qu'il était. Mais il confirmait Oyo à Salaki. Le véritable roi, c'est Jésus. Mon côté à son Jésus-Christ. Et quand on veut considérer dans ta vie, et lorsque tu les considères dans ta vie, au moment vraiment, Azor régner dans ton cœur. Et tu verras vraiment son règne dans ton cœur. Pour sentir que la paix, et au moment où le bon et bon paix, ça fait la paix, la plus grande chose que l'argent ne pourra te donner. Enfin, dans ton cœur. Va demeurer dans ton cœur. La paix, c'est la plus grande des choses. Qui n'y a, Isaïe, le grand paix. Un milliardaire. Tu peux être un milliardaire. Alors ça, la dépense journalière parfois. 100 000 $ par jour. Et qui fait des dépenses de 100 000 $ par jour. On commande à 7h les bandits. Depuis 7h du matin. 18h. Juste à 18h. Dépense à salaire journalier. La dépense qu'il a fait. 100 000 $. 100 000 $. Chaque jour. Micolonien. Il existe de tels hommes sur la terre. Mais ils n'ont pas la paix. J'ai dit vraiment. Azur, il s'est au sol. Parfois, ils cherchent le sommeil par les comprimés. Mais si toi tu dis à mes semaines, je vais dormir, tu dors paisiblement. Quelques minutes, parfois. Tu es heureux. Parce que tu as Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas par des choses vraies. C'est malheureux de voir quelqu'un qui est emporté facilement dans le mal. Quand il y a la position de la parole, tant qu'on s'allie dans le monde, non, ce qu'il y a dans le monde pour mes maillots ne sert de rien. Tout ce qui viendra dans le monde pour t'emporter le sort. Ce qui n'a dit Jésus-Christ, c'est au Goyo qui s'amassonne la nuit sur la terre. Si par à cause de Jésus-Christ tu vas subir la honte, accepte-le. Ce qui n'a pas bonbouma, si je refuse la prostitution, et que je n'en suis rebuté, et que je n'ai pas la robe de valeur, suis, et le côté dans ça n'a pas concordance, rien pour concorder les vêtements, dimanche, accepte-le. Au gros salon, tu vas
personne, tu seras un homme. Mais on s'attendait que ça. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Il ne faut pas croire que tu es ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que tu dis que tu es. Donc c'est comme ça, Dieu. Lorsque le Seigneur était venu chercher Adam, Adam lui a dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Effectivement, ça qui est bon. Au solo, il était nu. Maintenant, le Seigneur a tout dit. Maintenant, le Seigneur lui a posé la question. Qui t'a appris que tu es nu? N'a-t-il à la question que vous avez mon nom? Parce que nous, nous avons voulu mal. Parce que tu vas apprendre tout de lui. C'est ça Dieu. Il y a un mot d'étape. Ce qui vous t'a tourné. Si quelqu'un s'est mort, vous t'a passé. Donc tu es normal. Avant ou solitaire. Et par contre, manger la viande. Vie n'a eu les habits en la terre. La vie n'est pas ces choses-là. Les habits en la terre. Ce ne sont pas ces choses-là. La vie, c'est le fait que Dieu apprécie une victoire sur les péchés. Bon, moi, les amis, les habits apprécient l'homme à l'écolure. C'est ça la plus grande chose. Il y a un mot d'étape à mon nez. Tout passera. Même ce qu'on est capable. Nous sommes dans la Bible et nous matabis. Donc tout ce que tu vois, la Bible l'appelle un bouquin. Ezala osombi ville pour que tu achètes toute la ville pour devenir. Locataire. Et que tout le monde devient locataire chez toi. Mais si tu n'as pas Christ, mais sauf que vous avez Christ, tu es un malheureux. Vous allez nous tourner à voir. Malheureux. Pensons à nous. C'est pourquoi il y a un Christ. C'est pourquoi toi qui as Christ. Qu'on ne t'emporte pas dans les choses vaines. Tellement caca d'amour et à parole. Donc demeure toujours dans l'amour de la parole. Ne cède pas. Et nous croyons que Christ est athée. Il n'y a rien qui soit plus que Christ. Il faut considérer la parole. Et c'est quelque chose même à l'inoma. Tout passera. Rien de pour les caca, rien. Seule la parole des eaux demeurait éternelle. Il faut y que tout ça va t'animer. Nous savons que nous ne sommes pas les premiers habitants de la terre. Nous avons des dates de naissance. Nous avons des dates de naissance. Nous avons des gens qui nous ont précédés. Et qui sont passés. S'ils n'avaient pas cru au Seigneur, ils attendent leur jugement. Ceux qui avaient cru au Seigneur, l'écriture est le mot heureux, ceux qui sont morts en Christ. Et ceux qu'on a baillé, on va couper tête en Christ. Car leurs œuvres les suivent. Oui, ça là, la papa m'a là pour les Hollandais. Comment on est là, tout ça, dans le cimetière, ce truc du cimetière. Et tel que nous sommes là quand nous rentrons au cimetière. Déjà, quoi, nous sommes comme un caribe. Déjà, sur toute le croix, on écrit libre. Repose-toi en paix. Pema na kinya. Nani a combien? Qui l'a écrit? Les gens ont toi, c'est le croix. C'est la personne qui a azui-moi pinceau na e. Il a pris son pinceau. Azui-moi parfois encre sur la vie. Il a pris de la couleur. Les couleurs sont coboyées. Il a commis. Et puis il a écrit. Repose-toi en paix. Il a commis libre. Ni Pemela na Kinya rite. Et les gens qui viennent là. On ne peut pas répondre ce qu'on a envoyé. Que ton âme réponde. Ceux qui réposent en paix, ce sont ceux-là qui avaient cru le Christ. Oh, il y a dit Jésus t'a qu'elle est dans tourment. Celui qui n'avait pas cru en Jésus est allé au tourment. Avant enfer. Avant l'enfer. A couper ma terre. Il n'est pas allé se réposer. Il est dans le tourment. Attends qu'on y rite. Même si tu écris repose en paix. On t'a coupé ma kinya et sa oyo andimaki. Celui qui reposera en paix, c'est celui qui avait cru en Christ. Et Azo, c'est la récompense, là, l'enlèvement. Et il a sa grande récompense qui est l'enlèvement. A béni. Oui, Azo Pema. Azo s'est reposé. Il se repose de ses œuvres. C'est ça la parole. Il y a un bon élu dans sa mère. C'est pourquoi tu es un homme heureux parce que tu as cru à la parole. Nous n'allons pas minimiser la parole. Considérez en moi. Mais il y a tiens-moi la première position. Il faut la placer en première position. Et là, on nous sommes au salle. Tout ce que tu fais. Par lui, en acte et la parole. Et en œuvre. La mis ça en parole. Faites cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au salaire, on a combo de Jésus-Christ. Maintenant, il faut te mettre là. Maintenant, nous devons nous examiner. Au zonat, tu t'habilles.
Il faut aussi t'habiller au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu feras. Ça, le déplacement, que tu puisses là où tu vas. Ça, au nom de Jésus. Il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va te trouver sur les pieds au nom de Jésus. Parce que tout ce que tu feras sera au nom de Jésus-Christ. Celui qui t'a dit c'est ma vie, il y a qui pour se répandre. Si la mauvaise pensée est venue, tu vas te dire que tout, tu dois le faire au nom du Seigneur Jésus. Ce que dit que nous ce Seigneur nous a la congolaise. Que le Seigneur a gardé ma casse dans une vie à pureté. C'est que le Seigneur te garde jamais soin dans la vie de la sainte. Une vie à soumission à parole. Toujours le texte dans la mission d'Apocalypse chapitre 2. Nous prenons notre texte d'Apocalypse chapitre 2. Aujourd'hui, à partir du verset 1er, dit le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Combien à moi j'ai lu l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et ils ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu aies les œuvres de Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu bénisse les lectures. Nous disons à tout moment qu'il faut poser des questions lorsque tu as une difficulté. Et par la grâce de Dieu, nous saurons répondre à ces questions. Même si déjà ma pose qui vous a toujours manqué, pour répondre toujours ma question. Et même les frères qui avaient posé des questions avant, soyez en paix, nous allons répondre. Là, ma question, poser. Il y a d'autres questions que tu poses. Nous avons besoin pour trouver réponse dans toujours la carte d'enseignement de l'autre. J'ai besoin que tu trouves des réponses dans l'enseignement comme je le prêche. Et totalise ce qui déjà. Et on avait déjà montré que les sept églises d'Asie. Et que les sept églises d'Asie. Ils ont vie à l'église. Donc c'est la vie de l'église. Pourquoi on a parlé au Lobaki Mokoloya vendredi? Pourquoi dans l'exposé du vendredi? Non. Touchaki Lévitique 14. J'avais touché Lévitique 14. Au banni même à partir du verset 48. À partir du verset 48. Tiens, le verset 54. Jusqu'au verset 54. On a besoin de l'ananda pour mon corps, ceux qui ont frappé la lèpre. Et là-bas, on parle d'une maison lorsqu'elle est frappée de la lèpre. Pourquoi on a pris ce texte? Et pourquoi j'avais pris ce texte? Nathalie Saki Yango. J'avais montré. Pourtant, nous allons purifier Nakoua. Parce que lorsqu'on fait la purification de cette maison, ils avaient utilisé cèdre, le bois de cèdre. Ils ont utilisé l'isope. On a
utilisé disons. Un roi. Si tu te rends dans 1 roi chapitre 4, dans verset 33, au verset 33, vous pourrez remarquer que Salomon, le sage, vous allez remarquer que le sage Salomon a levé la natine à plante. Il avait parlé au sujet des plantes. Dans 1 roi 4, le verset 33. Dans 1 roi 4, le verset 33. Maintenant, la manière pour le mener dans ma plante. Mais lorsqu'il parlait au sujet des plantes, plante à l'imbosson, le mener dans ma plante, on voit les aguisons. Et la première plante, c'était le cèdre. Et dernière plante, le mener qui est là qui isop. Et la dernière plante, c'était l'isop. Donc, premier arbre, vraiment. Dans ses premiers arbres, c'est comme la tête. Donc c'est comme la tête. Donc c'est le signe de la royauté ou du roi, le cèdre. Mais si tu prends l'isope, donc c'est le dernier des arbres que Salomon avait. Et Isaac est plus petit. Donc c'est la parole des plus petits. Dernier des hommes. Pour te asuka na bato. Il y a aussi des douze et le béliwana ya cèdre na isope. C'est pourquoi si vous prenons ce langage du cèdre de l'isope, que les a parmi banzete oyonzambe a senga ki basale la pour purifier ndako, et que c'est parmi les plantes que Dieu avait demandé pour la purification de la maison. Ezali kotalisa ke ndako oyoyo ebetami na maladie mbala, et cela montre que la maison qui était frappée de la lèpre, oya koya ko purifier mo efoui za la roi, et celui qui viendra la purifier doit être le roi. Donc c'est ça, c'est de ya mon dessein a komi komi sa mon sale, mais qui se fera serviteur. C'est ça qu'ils ont. Il y a mon exemple. David n'est pas aimé qu'il y a un psaume 51, verset 9. David aussi l'avait chanté dans psaume 51, verset 9. Alors là, qui purifie-moi avec les hommes. Alors, il peut être là, il a dit que les hommes. Il y a un acte à Colobananga, dans un qui exode 12. C'est pourquoi dans mon exposé, j'avais pris exode 12. Dans l'air, il y a fait la Pâque. Du temps de la Pâque. Il a utilisé qui le verset 21 à 22. J'avais utilisé les versets 21 et 22. Là où l'engue l'ordonnance du Seigneur et le Baki. Là comme l'ordonnance du Seigneur avait dit, anciens et à chaque famille, dans chaque maison, à Bosala, à Okataniama. Que les anciens de chaque famille, de chaque maison, immolera l'agneau. Mais pas pour utiliser bouquet d'isope. N'est-ce pas pour ça que l'amour picou y a des bassins? Enfin, de prendre les sangs dans les bassins lorsqu'on est pour les mettre sur les linteaux. Maintenant, Zamba le dit que je verrai les sangs dans l'linteau. Maintenant, le Seigneur dit Makota la cadet maquila dans l'linteau. Et je passerai par-dessus. Ben, aussi donc, mouvement ce mouvement-là de passer outre la maison, c'est ça la Pâque. Zamba le mec dit que je verrai les sangs dans le bassin. Le Seigneur n'avait pas dit qu'à côté de la maquille à la les sangs dans le bassin, tant qu'abominiama. Les sangs peuvent être dans les bassins lorsqu'on a eu mais il faut, ils ont une âme et maïango, à tiens, on a l'entour et en tape. Mais ils ont besoin le porter pour le mettre sur le bassin. Mais pour que la mort n'entre pas dans la maison, il faut maquiller pour ta main dans le lait. Il faut que les sangs soient trouvés sur les lèvres. Il y a d'autres hommes qui ont un médiateur. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un médiateur pour amener les sangs du bassin vers les lèvres. C'est l'isope. Les anisopes. Il y a d'autres hommes qui ont 1 Timothée chapitre 2. C'est pourquoi on avait pris 1 Timothée chapitre 2. Dans le verset 5. Notre exposé au verset 5. Qu'il y a un seul médiateur. Les anisopes ont un mot de mot entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. C'est lui l'isope. Et Azoya peine à ta ministère la parole. Et il vient aussi dans le ministère de la parole. Bouquet d'isope. Le colamou picou yanzeta. Azoya est utilisé par le ministre de la parole. Et il utilise le ministre de la parole. Alors Tozoa qui Babilo Kouwa. Alors on avait pris toutes ces choses. Après, les années qui se sont élevées comme chose toujours dans Lévitique 14. Après, il y avait encore une chose dans Lévitique 14. Azoya au sale et la bonne pour purifier la maison. On utilisait toujours pour la purification de la maison. Qui n'a des oiseaux. Et qui n'a pas un oiseau doit être égorgé. Mais l'autre oiseau ne l'égorge pas. Oiseau l'oiseau qu'on égorge, Ezali Jésus-Christ
homme, oya yaki poisson par akila. Les amis, Jésus-Christ au monto, oya yaki pour verser le sang. Mais il est mon content à tambour qui n'a pas bébé. Mais lui-même, lorsqu'il a marché sur la terre, Atalissa deux corps. Il avait manifesté deux corps. Et les moyens. Des oiseaux. Comme un signe de deux oiseaux de pure. Parce que nous avons la mission de Jésus. Parce que Jésus-Christ n'était pas comme nous. Il était l'homme, mais il n'était pas comme l'homme pécheur. Il était semblable aux hommes, mais pas homme pécheur. Non, c'est basé qui n'a un roi 8. Je m'étais basé sur un roi 8. Le verset 46. Le verset 46. Là, Salomon a ressemblé. Là, Salomon était en train de lui que la maison. Alors, il n'a pas eu un roi Salomon en train. La maison qui a été bâtie pour les gens importants du peuple et qu'au soumouka, c'est pour que lorsque le peuple péchera, à résister à lui, que parce qu'il n'y a aucun homme qui ne pêche. Oui, des amis, la moto, mon côté, à ça, la soumouka. Dans mon tournion, ça vient d'un immonde. Dans tout celui qui est appelé homme, soumouka, pêche. Mais Jésus a soumouka. Mais Jésus n'avait pas péché. Azara qui céleste et dans une forme de diamant. Azara qui m'a dit, Nicolo, Kassabini, dans l'oreille, à toi, c'est. C'est un oiseau. Azara qui n'est que. Dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17. Omoni a présenté un autre corps. On l'a vu nous présenter un autre corps. Oyo, écoute, Fakate. Le corps qui ne meurt jamais. De gloire. D'autres, il y a qu'un. C'est ça l'idée des oiseaux. Il y a un monde qui est balé. Mais il faut envoyer Baboué. Mais tu dois savoir ceci. Dans le sacrificateur, là où ça va nous saluer en Lévitique 14. Lorsque le sacrificateur travaille en Lévitique 14, Azo utilisait aussi l'eau vive. Azo sale la plus maille à Tima et Baboué. L'eau vive vient où Jésus a émis cette femme samaritaine dans Jean 4. Et Jésus lui-même avait parlé de cette eau dans Jean 4. Alors, une femme. Moi, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé des dons. Je t'aurais donné de l'eau. Dans la sacrificateur, les alliés qui n'ont l'eau, mon corps, et les mots, l'eau vie. Na musala bonanga nzambe zala ki na mayi ya bomoi. Elobelika ke pesa mayi na kati na bomoi ekese na ba mayi. Donc le langage qui était utilisé pour cette eau était différent de tout. Ezala bomoi mais a sanctifié par cette parole. Donc c'est l'eau naturelle mais sanctifiée par cette parole. Alors nyonso wana nde ya bomoi zala ko purifier la maison. Alors c'est toutes ces choses là qui purifient la maison. Mais maintenant qu'on a pour purifier la maison, maintenant qu'on a pour péter la date, sacrificateur au Seigneur, les sacrificateurs vont réunir toutes ces choses. Oiseaux vivants. Parce que tant qu'à Kati, oiseau mon corps, parce que lorsqu'il est dans le monde, il est coti na au vivre. Et que le sang est mélangé avec le monde. Donc ça devient de l'eau. Maintenant il saisit l'oiseau vivant. A Tiwana na cèdre. Avec du cèdre. A Tiwana na isope. Avec l'isope. Assimbi en oboe. Il est saisi. Maintenant qu'on tient mon nionce na Katiama. Maintenant il va les tremper dans l'eau. Yamonde. C'est ça. L'écriture n'est le dit. L'écriture qui dit. Le Seigneur a un droit à couper sur sa propre vie et puis a un droit à reprendre en lui. Pour la Zalina, ma coquille a coupé sa bonne énergie. Il a payé à cause de la bonne. Et la personne qui vient dans acte 26. Et je vous avais donné acte 26. Les versets 22-23. Le verset 22 à 23. Quand Paul a exposé la parole. Lorsque Paul expose la parole, il dit que et comment mis la loi Moïse. Il a dit qu'il est écrit dans la loi de Dieu. Christ devait souffrir. Et que Christ le Seigneur qui a mis. Mais si le cœur noir sur blanc. Mais si tu le cherches noir sur blanc, Christ a souffrir. Tu ne verras nulle part où il est écrit Christ. Tu verras des animaux. Et tu verras des oiseaux égorgés. C'est la souffrance de Christ. À la mort de l'oiseau, c'est ça Paul qui considère les souffrances de Christ. A continuer dans le verset 23. Il continue au verset 23. Les actes 26. Alors lui, ressuscité les morts. On les voit toujours là-bas dans la loi. Ressuscité des morts. Il voit l'oiseau qui est à côté de la main. Il l'a trempé dans l'eau et l'a fait sortir. Je suis attentif. Oiseau, c'est autre oiseau. Et Paul a dit, resté des morts, il annoncerait. Il annoncerait un oiseau.
sacrificateur a lâché. Donc avancer c'est ça, lâcher l'oiseau. Si pas lâcher l'oiseau maintenant commence à traverser ma champ. Et cet oiseau-là commence à traverser les champs. Ma champ les a dit peuple. Et ces champs-là comme le peuple. Parce que l'église, vous êtes les champs de Christ. Oui, l'église, les alliés, la mère Christ. Israël aussi est un champ. Et Israël aussi est un champ. Et Paul a l'envoyé dans le verset 23 à 26. C'est pourquoi Paul a venu au verset. Christ est ressuscité. Christ a sauté. Il est à côté. C'est lui qui a. Israël. Israël. Il est à côté. Ma nation. Et c'est le même qui prêchera les nations. Attaque le mouvement maintenant. La loi de Moïse. La vie, c'est le mouvement dans la loi de Moïse. Mouvement, les gens attaquent à des oiseaux. Et ce mouvement-là est dans les deux oiseaux. Mais il faut y avoir des oiseaux, hein? Mais tu dois savoir que ça, c'est pour ça que tu te fais la lorsque le sacrificateur là. Amingisa ye pour tangisa, sept fois makila nanda. Et le sacrificateur l'avait agité sept fois pour asperger le sang. Cinq, six, sept. Sept fois. L'itananion son makila, ça une fois. Chaque goutte de sang avait une fois. Yamon appelle ce qui nom, nombre 7, verset 89. C'est pourquoi je vous avais donné nombre 7, verset 89. Tant Moïse a sa compte en allié 13. Lorsque Moïse entrait dans le lit 13, il a tenté la voix de Dieu sortir sur le propitiatoire. Oh, le propitiatoire a mis les amours à la voix. Qu'est-ce qu'il est trouvé sur le couvert? Sang. Makila. Maintenant, quand tu as un dans les sangs qui parle. Et s'il entre dans les lieux très saints, il écoute les sons sortir du propitiatoire. Donc, quand tu as un ma sang, tu en parles du sang. Les années, l'idée. Les années, là, qui s'y enseignement. Donc, en moi, où est-ce que nous le prenons? Nombre 7, verset 89. Nombre 7, le verset 89. Il y a un oiseau aspergé 7 fois nanda. Il y a un oiseau terre qui s'en maquilla, mais la symbolique nanda. Or, n'a quoi n'a Adam premier. Or, cette maison, c'est Adam premier. T'as quoi purifié, restauré. Et lorsqu'il est purifié ou restauré, c'est l'église. C'est comme l'église. Parce que Adam vous mis le jardin dedans. Hein? Parce que Adam avait perdu le jardin. Toi, il y a un nous les chansons pour les côté. Si tu veux prêcher, qui vient entre en Eden. Pour côté, tu vas trouver un seul prédicateur. Soit les combats. Cela veut dire, nous sommes en Eden. Si tu es pas d'accord. Cela veut dire, nous rentrons en Eden et nous les chansons. Donc, nous sommes Adam restauré. Donc, c'est nous, Adam, on va t'aider ici. Il y a mon étoile. C'est ce que nous chantons. Soit les guillemets. Si tu veux prêcher, rentre en Eden. Donc Adam restauré des puissants. C'est nous qui sommes Adam restauré. La maison purifiée. Nako et Pétola. Mais maison purifiée, elle en a sept aspersions. Mais la maison purifiée reçoit sept aspersions. Sept aspersions, il y a le mososo, sept paroles. Donc sept aspersions comme sept paroles. Il y a longtemps que nous avons dans la maison qui est l'église. C'est pourquoi lorsque nous observons la maison qui est l'église. L'église est représentée par sept églises. Donc l'église est représentée par les sept églises. Dans cette église, et dans les sept églises, il y a sept lettres. Et ça dit la mikanda sambo. Vous tapez sur sept lettres. Hein? Et celui qui a donné ces sept lettres. C'est l'oiseau vivant. Et ça dit le keabomoui. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous me suivez à toi? Et ça dit Jésus-Christ. Et ça dit Jésus-Christ. Il y a la pessi matéa. C'est lui qui a donné l'enseignement à Ephèse. Il y a la pessi matéa. Asmir. À Smyrne, à Pessi Matéa, à Pergam, le même qui l'a donné à Pergam, à Pessi, à Tiati, à Tiati, à Sard, à Sard, à Philadelphie, à la Odyssée, à la Odyssée, parce que nous avons constitué la maison appelée l'Église. Parce que toutes les sept constituent la maison qui est l'Église. Il y a autre chose au Babou, il y avait les Écritures à l'appui. Pourquoi nous parlons avec les Saintes Écritures? Moté, il est l'eau, ils ont des Jésus. Christ. Le prédicateur ou l'enseignant aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous sommes aux abatéité, motéité, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les prédicateurs, c'est Jésus-Christ. Nous attaquons à l'école. L'éternel Dieu a envoyé mon corps. Yahweh Zaba Zalika Kana Moti Dami mon corps. Ils ne sont pas nombreux. Non, avant Christ et Jésus d'envoyer, c'était Moïse. Avant le Christ d'envoyer, c'était Moïse. Au retard, on est Hébreu 3. Tu vas les lire dans Hébreu 3. C'est Moïse qui l'a envoyé. D'accord, c'est dans la réunion sous Bayakina. Jérémie, Bachanier, Bazan, Akatikana, il y a Moïse. Ils sont seulement dans Moïse.
C'était pour montrer. Moïse a dit que l'Éternel vous citera un prophète comme moi. Moïse n'avait vu qu'un seul prophète qui sera comme moi. Et ce prophète là. Philippe a dit dans Jean chapitre 1er. Et Philippe dit dans Jean chapitre 1er. Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé. Nathanaël, Nathanaël, nous sommes monde. Celui dont Moïse a écrit dans la loi. Auteur Moïse a commandé à mon bébé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Joseph. Moi, là, Joseph. D'abord, nous avons la parole à Jésus-Christ. D'abord, nous prenons cette parole de Jésus. Et Baloma n'a dit dans la loi. On avait parlé au sujet de lui dans la loi de Moïse. Il est le vrai Moïse. C'est lui le véritable Moïse. Donc, bah, on n'y en sera pas en cima. Dans tous ceux qui viendront après, ils ont travaillé dans la catinaïe. Ils travaillent en lui, Jésus-Christ. Et à un moment donné, Jean 20 termine à verset 21. C'est pourquoi Jean 20 nous dit. Et j'ai dit ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. À celle qui n'a compris Jésus-Christ. Jean 20, verset 21. L'écriture nous dit ceci. Jésus leur dit de nouveau. Jésus est ici par moi, Jésus. Que la paix soit avec vous. Qui m'a ézardi. Jésus a traité ce soir bonne messe. J'aime Jésus parce qu'il nous a montré des bonnes habitudes. Donc à l'exception de l'ingé malin. Donc la bonne manière. Jésus a sa maître, rabbi, a sa supérieur. Jésus est le maître rabbi supérieur colo. On a tous payé pas parce que l'hiver naie ou bien pas naie. Il n'attend pas la salutation de la part de ses serviteurs ou de ses enfants. C'est lui qui commence la salutation. Si vous prenez aussi Boaz, dans Ruth chapitre 2, dans Ruth chapitre 2, c'était lui le chef de l'entreprise. C'est lui qui avait engagé tous ses employés. Maintenant, ce qui a une entreprise. Maintenant, si lui vient dans son entreprise, il y a chambre de son champ. C'est lui qui commence à se faire. C'est l'éternel mobiliste. Il y a un pas pour la mine, pas pour la mine. Chef là. Donc c'est le chef qui a maintenant pas travailler, n'est pas sur le pas. Maintenant les travailleurs. Quel éternel soit avec toi. Il y a un pays à Salanayo. Maintenant, dans le monde, ça va presque contraire. Maintenant, dans le monde, c'est presque l'inverse. Donc, au soin, ni n'a pas douté. Mais tu ne t'es pas discuté avec quelqu'un. Au bout d'un, au bout de place, pas travailler, non, pas aller directement dans le monde. En vrai, tu te fâches. On ne comprend pas. Tout ça, c'est sur la terre. On continue, on continue. Tu entres. Bah, oh, yo, so, on combat dans le visage. Tu as trouvé tes serviteurs. Bah, non, directement, tu fermes le visage. À l'occasion de rien. À l'occasion de l'étranger, mais d'ailleurs, on va dire bonjour, boss. Bonjour, bonjour, boss. Bonjour, patron. La Bible m'a donné la carte. Dans la Bible, il existe ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui commence la salutation. Tous à la humble. Soyons humbles comme Jésus. Tout imité Jésus. Imitons Jésus-Christ. Tous à la commune qui dit ça. Et on est limité dans ma case. Et c'est très important. Comment qui s'assoit dans la montée, ça va échapper. Si tu manques l'humilité, le Seigneur va t'échapper. Le Seigneur est dans verset 21. Le Seigneur dans Jean chapitre 20. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Qui m'y a ézardino? Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé qui ne s'est pas. Mais maintenant, puisque ce matin, tu as les envoyés. Maintenant, nous tous, prédicateurs, tous amis, Matin d'amis, les l'envoyer. Il y a mon team d'amis. Oh, du Père, il y a Tata. Donc, il y a l'envoyé du Père. Les amis, il y a mon team d'amis à Tata. C'est Jésus-Christ. Les amis, Jésus-Christ. Un point d'entrée. Un point d'entrée. Maintenant, bah, où est-ce que nous sommes tous les maintenant, nous tous qui sommes restés là. Partout. Pas mal. Des gens de rien. Nous avons parlé de nous, nous avons dit la sécurité inutile. Nous avons le nom qui nous a donné. Dans Luc 17, verset 10. Dans Luc 17, verset 10. A lui, ce que moi, nous sommes là. Si tu vois, on a dit. Toi que j'ai envoyé. Aussi, dès que tu termines. Et si, dès que le travail s'achève. Dis-toi. Et ça, l'impératif. Donc, c'est là. Ordre. C'est vraiment l'impératif. Si tu ne dis pas, tu as péché. Donc, aussi, ce soir, quand tu termines le travail.
que tu es un serviteur inutile. Vous avez pas ma penza. Je fais que l'homme est là qui recommande. Parce que l'envoyé c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui l'ange de l'église. Et de moi je lui l'église. Alors la carte il a son salé là ma sali. Alors en lui il est en train d'utiliser les serviteurs. Et dans notre marche dans ce verset 11 d'Apocalypse 1er. On avait montré en prenant le verset 11 d'Apocalypse 1er. Et là-bas on a vu au verset 12. Jean a présenté que à mon acquis un homme. J'en présente qu'il avait vu un homme. Oyo yo, voix naïe et zali, voix comme des grands hommes. Mais abéguie un fils de l'homme. Moi dans la moto. Nathalie, c'est qui le fils de l'homme, Nathalie Sakani. Je vous avais montré c'est quoi le fils de l'homme. Après c'est que Jean 5. J'avais donné Jean 5. Verset 27. Le verset 27. Fils de l'homme, Nathalie Sakani. Moi, je suis en train de me la ressemble ici. Donc, dans le verset 16, Tomoni a simbi 7 étoiles en main. Au verset 16, on l'a vu avec 7 étoiles dans sa main droite. Mais, oh, il a simbi 7 étoiles, Aza, fils de l'homme. Mais celui qui a les 7 étoiles est le fils de l'homme. Donc, a simbi l'étoile Wana étant juge. Donc, il a ses 7 étoiles en main étant le juge. Il y a votre Lobaki. C'est pourquoi on a vu. Les 7 étoiles là, à Tiago, dans l'église. Et il a mis ses 7 étoiles dans l'église. Il y a un de ça la lecture et la parole. Et c'est ces étoiles qui vont faire la lecture et la parole. Enseigner la parole. Qui vont enseigner la parole. Dans le signe de Lévitique 14, ce n'est que l'oiseau vivant. Et ça dit qu'il y a des connards. Mais l'oiseau ne sont pas, l'oiseau asperge le sang dans la maison. Et c'est lui qui asperge le sang sur la maison. Il y a un de Paul à l'Omaki. C'est pourquoi Paul avait dit. Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui doit annoncer la parole. L'histoire c'est que quand il y a pas voir des seigneurs, il a sa parole. C'est lui l'enseignant. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a son jugé Bissot. Parce que Jésus-Christ a sa dit qu'au sang, il s'en appelle Bissot. Tozoaki 1 Corinthiens 11, verset 32. On avait pris 1 Corinthiens 11, le verset 32. Pourquoi son jugé? Parce que pourquoi il nous juge? Et ça, pour ton sang, il s'en appelle un monde. C'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Tozoaki, un simple exemple. On avait pris un simple exemple. Mobali Yamala, mon père Mayel. Un vrai époux et un époux intelligent. Il ne peut pas blâmer sa femme en public. Il va préparer sa femme là-bas. À corriger. C'est là-bas qu'il va corriger. Moi aussi, à se présenter, madame Liban. Pour que la femme se présente meilleure au dehors. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il y a un bon Dieu sous Christ, il nous prépare. Et tant qu'on s'occupe d'un monde, mais lorsqu'il viendra s'occuper du monde, pour juger moi, pour le juger, pour vous arrêter. Nous ne serons pas de participants. C'est pourquoi un signe a qui a fait retourner sa femme dans la maison du père lorsqu'il venait pour le jugement d'Égypte. Dans la maison de son beau-père. Moi, c'est pour participer au jugement d'Égypte. La femme ne va pas participer au jugement d'Égypte. Là, tu vois que aussi Apocalypse 3, verset 10. Aussi Apocalypse 3, le verset. Mais l'église, il y a Philadelphie. Dans l'église de Philadelphie. A pessi promesse, locaux là pour garder parole. On a donné la promesse comme nous avons gardé la parole. Pour rejeter parole, Dieu a combattu la bison à épreuve ou écoyant le monde. Le Seigneur va nous garder devant l'épreuve qui viendra dans le monde. Donc, le Seigneur a son jugé. Donc, le Seigneur juge. Mais tant qu'il a son jugé. Mais lorsqu'il juge. Et ça, pour l'église comme un péto. C'est pour que l'église devienne pure ou sanctifiée. Vous voyez un homme de la terre. Il est le col à Yemi la foi terre. Comme il ne connaît pas la foi. A Koki, Kozara la vie, nous savons comment. Il peut se retrouver dans toutes les villes habitées. Via ma machi. Donc il a beau sol. Le col à Yemi parole terre. Comme il ne connaît pas la foi. Aosara Misara na Ezoke de Liboso. Et il prospère aussi dans ses activités. Mais yo. Mais toi. Si tu essaies seulement de faire entrer le monde, tu vas perdre tout l'argent que tu as. C'est un jugement. Et ça y est, sans misérable.
Tu suis attentivement. Parce que tu es son fils. Tu es suivi parce que tu es son fils, il ne va pas t'abandonner. C'est comme ça qu'il faisait à l'Israël. Ma nation, Israël. Les nations qui sont en dehors d'Israël, même s'ils adoraient leurs idoles, première saison. Le Seigneur leur donne toutes les pluies de l'année. Ils travaillent aussi dans des champs. Mais écoute comment si tu m'obéis, la pluie à première, avant d'obtenir seulement Israël. Israël, tu m'obéis. Si tu n'obéis pas, la pluie te sera retenue. Parce que tu es mon fils. Je suis jaloux de ce que je te donne. C'est ce que Dieu disait. De la même manière, tu es ici dans la vie. Quand tu as la prospérité à ma méchanceté, il ne faut pas oublier la prospérité. Conditionné la vie à pureté et la sainteté. Tout ce que tu dois avoir est conditionné par la pureté et la sainteté. Si tu refuses la vie de la réponse, même si tu vois comme si tu étais en train de prospérer, c'est la patience à Zaza. Il attend ta récompense. Cette patience la prendra. Il va te ravir tout ce que tu as. On signe vraiment le contrat définitif. Tu ne seras jamais signé. Le Seigneur est capable de te faire souffrir. Si tu ne lui obéis pas, nous nous sommes à créer un problème. Un autre jour, tu verras tes problèmes. Mais le Seigneur convainc les gens que tu as commis. Même si tu expliques comment. En expliquant que tu suscites encore une contre. Là, c'est le Seigneur. Il te poursuit seulement pour que tu te répondes. Dis comme ça. Donc, n'attends pas le jugement dans l'église. Oui, en ce temps ici, il exerce son jugement dans l'église. C'est ce qui est 1 Corinthiens 11, verset 32. C'est pourquoi j'avais donné 1 Corinthiens 11, 32. Mais c'est aussi 1 Pierre 4. Et aussi 1 Pierre 4. Et le meilleur là est jugement. Et c'est la tâche du jugement. Nous avons le fait qu'il y a un fils de l'homme. Nous devons le fait qu'il est le fils de l'homme. Qui marche au milieu de cette chambre. C'est lui qui juge l'église aujourd'hui. Pour ton participer à la condamnation à mort de paix. Afin que nous ne participions pas à la condamnation. Afin que nous soyons enlevés. Pierre a son comparable à 1 Pierre 1. Et Pierre est comparable à 1 Pierre 1. Dans un recours la wolo. Nous sommes comme des là. Oyo, et les qui n'a montre à ma case. Si cependant été prouvé dans le feu. Mais après les qui n'a montre. Mais même si. Mais les résultats qu'on cherche. Les années ma salité, les années ma quartier le roi. Alors que les scories ou les impuretés puisqu'ils prennent. Pour malam. Afin que l'or puisse briller comme il est. Mais il y a un pierre 1. Alors il dit dans le pierre 1. Montre le bichot de son écran. Le feu que nous passons. La tribulation. Les passe-trois. Famille qu'on va passer. Les apôtres dans la simana et l'autre soit gloire. Afin qu'à la fin nous obtenions la gloire de Dieu. C'est ça. Il y a un monde de le chemin pour l'église, ok. Les chemins de l'église. Oui, ton marché qui encore. On avait encore marché. Au Talisa qui est dans l'église d'Éphèse. On avait montré dans l'église d'Éphèse. Que Zambé a loué par Éphésiens. Et que le Seigneur loue l'attitude des frères d'Éphèse. Toloba qui boue. On avait dit ceci. Suivant la manière dont Dieu a marché avec les apôtres, parmi les apôtres, l'apôtre qui était resté en vie, qui était resté longtemps en vie, c'était l'apôtre. Même Paul, ils étaient déjà morts. Mais Paul n'est atteint l'église d'Éphèse. Mais c'est l'apôtre Paul qui a prêché l'église d'Éphèse. Vous voyez qui? On avait pris. Dans acte 18. Dans acte 18, tu vas le voir. Même dans acte 19. Et même dans acte 19. Là, l'écriture, dans son père, ça, il faut qu'il y ait des là, tu dois aller lire les écritures que je suis en train de donner.
s'appliquer vraiment dans l'étude. Atteint parole, non? C'est là que Paul a prêché. Atteint parole. Lui qui a prêché. Bienvenue dans le bâtiment dans Acte 26 que Jésus-Christ a apporté la parole dans la cabane. C'est lui-même qui a dit au chapitre 26 que c'est seul Jésus qui prêchera la parole aux nations. Pour cela, on a marre. La pratique moyenne est atteint, Ephèse. En pratique, c'est l'homme qui a prêché. Maintenant, tant qu'on arrive à Koufa. Maintenant, lors de sa mort. Tant qu'on est de Jérusalem. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem. Comme il a millé. Arrivé à millé. Voilà, acte 20. Là, dans acte 20. A-t-il dit, Babé, d'abord, ancien, il y a Ephèse. Il a envoyé chercher les anciens d'Ephèse. Ces anciens, Bayak. Papa, Kalibo, Babé. Maintenant, Azo, pour expliquer, Babo, ma camp. Maintenant, il va expliquer les choses. Azolo Baboye, parce que le texte a mon temps à qui en haut. Il dit ceci parce qu'on avait lu ce texte. Dans acte 20. Dans acte 20. Dans 8, verset 28. Je prends le verset 28. Nabani même la verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Oui, la kisibino, batolito, sans rien cacher. Na kubombe, la bino, prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour être l'église du Seigneur. Pour la kukamba, église et la cour. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Maintenant, verset 29, toujours acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups crièrent qui n'épargneront pas les troupeaux. Les loups crièrent pour la prophétisa qui. Donc Paul avait prophétisé. Ce sont pas que Nicolaïsme. Et ça là qui va y Nicolas l'Église. Les faux apôtres aussi. Parce que tant que Jean reçoit l'être. Oui. Parce que lorsque Jean reçoit cette lettre. Le Seigneur a celle qui est aujourd'hui. Le Seigneur l'avait dit d'envoyer ce qu'il a reçu au sein de l'Église. Sokotali géographiquement et si qu'à Ephèse et Zaraki. Donc si tu regardes géographiquement où se situe Ephèse, Nangambo Nayangonde, il a battu César. C'est à côté d'Ephèse que se retrouvait l'île de Patmos. Et si qu'à Oyoyo, là où Jean Babouaka qui est na puissante nation Rome. Et là où Jean était jeté en prison par Rome, la puissante nation. Parce que Rome n'a pas dominé plus longtemps. Parce qu'en ces temps-là, c'est Rome qui dominait la terre. Donc c'est que, Nakatia Kolobana histoire. Donc dans l'histoire, bah, ça la recherche va trouver que. On a fait recherche, on a trouvé qu'en ces temps-là. Le frère Jean était le pasteur d'Ephèse. Il est né à Zalaki comme pasteur d'Ephèse. Voilà, selon les témoignages. Selon les témoignages des historiens. Mais il n'était pas place à Zaki, la prison de Zaki Moussika Tena Ephèse. Donc la prison où il était, c'était proche de la ville d'Ephèse. Donc il y a beau penser que parce que Azan a droit à côté à chaque église, parce que c'était l'apôtre. C'est qu'il a droit de prêcher dans chaque église parce qu'il est apôtre. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que à Paul a annoncé qu'il s'introduira parmi vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Parce que la verset 29, des loups crièrent qui n'épargneront pas les troupeaux. Quand Paul a sauvé le Rokoana, lorsque Paul parle de cette chose, Matéa Nyonso va Paul Matéa qui m'a joué par Jésus-Christ. L'enseignement des apôtres était tiré des paroles de Jésus-Christ. Topé ça, Matthieu 10. On avait donné Matthieu chapitre 10. Là, Matthieu 7 aussi. Et aussi Matthieu 7. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Awawa, ici, a tinda qui 12 apôtres. Il avait envoyé les 12 apôtres. Mais les loups, c'était des pharisiens, ma caïf de ces temps-là. Qui va faire ça, il peut pas m'en attendre à temps. On va s'opposer à témoignage.
de Jésus. Ils vont croiser les opposants du témoignage de Jésus. Dans le temps de Matthieu 10. Dans Matthieu 7, annonçant le Seigneur. Dans Matthieu 7, le Seigneur l'annonce encore. Il faut que vous voyez qu'il y aura des loups, mais pas qu'on a des vêtements à brebis. Et faites attention parce qu'il y aura des loups en vêtements de brebis. Bah, loup en vêtements brebis, il y a une église faite à Zomona. Ma faux apôtre. Le loup en vêtement des brebis, ce sont les faux apôtres qui se trouvaient dans l'église de Fès. Et on continue en comptant à Actes chapitre 21. Je continue d'abord la lecture des Actes 20. Cette parole et à cette église. Les sept paroles aux sept églises. Et ça, très utile, moi, dans nos enfants, pas les paroles. Sont très utiles pour la connaissance de tout enfant de Dieu. Parce qu'à la fin, dans celui qui suivra, à la victoire. Il a la victoire. Ce que nous cherchons, c'est la réponse. Nous te sommes que ça l'inné, toi. Na marche union sur l'église, na soukazan bazolo bake, oya, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Na kata na kamboyo. Toutes ces choses-là, le Seigneur exhorte d'écouter ce que dit l'Esprit aux églises. Na oyo akobate la. À celui qui gardera, a besoin de récompense. Il aura quelle récompense? Apaisse la récompense. Il a donné les récompenses. Donc, les hommes ont un peu négligé. Non, ce ne sont pas des choses à négliger. Il faut prendre alors vraiment et en sérieux l'église du Seigneur. Il faut le prendre au sérieux, toi, l'église du Seigneur. Awa, ta oiseau solona, papa. Ici, lorsqu'il parlait avec les enfants, il a ta oya l'obaki. Les promesses ou les loups. Prière viendront. Il y a quand même beaucoup d'églises. À quoi épargner ma prébité? À combien qui s'attend de voir les enfants? À continuer Koloba. Il continue en disant. Et qu'il se révélera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà verset 30e et acte 20. Le verset 30 des actes 20. Pour entraîner les disciples après eux. Pour accomplir ma bandit ici, ma bango. Doctrine à ma bé. Ils sont appelés à battre. Garde aussi des gens. Il y a malade ou paix soit capable. Il aborde aussi garde des gens. N'est-ce pas aujourd'hui? Tel que nous sommes là. Nzambe azote à Bissou. Le Seigneur nous prêche. Mais Satan pas azote à Bissou. Mais Satan aussi prêche les autres. Quand on est ensemble. Tel que nous sommes là dans l'ensemble. Donc, on peut être là, on dit abandonne l'impuissance. Mais vous devez utiliser le téléphone dans un rendez-vous dans la soirée, dans un écho. Mais une autre personne utilise son téléphone. Mais ça, l'église. Il est dans l'église. Donc, il y a un motire. Lui, il a son prédicateur à lui. Au second, hein? Quand les enfants de Dieu sont ensemble, quand on parle Satan aussi vain. Satan n'a pas, il y a la catikati là. Donc Jésus cherche les siens. Satan paix. Et Satan aussi. Il cherche ceux qui lui appartiennent. Celui qui est de Satan même. Alors on a un programme après qu'il n'a que notre mise à sous qui ceux qui ont eu ceux qui défendent du temps. Ceux qui doivent clous. D'aller s'intéresser des mèches qui lui prendront 2 heures du temps. Donc, ils seront là les gens de Satan. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous voyez sur la terre, bien-aimé. Si la chose, la semence est l'épine, la pluie est minque. Même s'il y a de fortes pluies. Et la pluie va faire accroître encore cette épine. Donc ce qui est en train de blé, si c'est par exemple le blé, et qu'on fait bien pour les blé, il y a qui tombe. Le blé va s'épanouir pour être un bon fruit. Donc ce qui vous appelle à la perdition. Si quelqu'un t'appelle à ses pères, même si je lui dis d'abandonner l'impudition. Avant un message n'a continué d'après le message pour envoyer après le chérie, j'étais occupé au culte. Qu'on s'envoie, tout le monde en a 13. Voyons-nous à 13. À ça, ils sont là parmi nous. Parce qu'il y a des épines. Donc, c'est pas pour amasser sa condamnation. Mais nous avons les frères. Mais il ne va pas changer. A multiplier ma stratégie pour ne pas pécher. Il va multiplier les stratégies de péché. Mais où est mais celui qui est là. Je vais abandonner ce chemin. Je dois confesser. Je dois me répandre. Là, c'est le fils d'Abraham.
sachez. Il a dit que Jésus-Christ passera par ici. Il savait que Jésus va passer par ici. Tellement ça a dit qu'il était court. Amen. Je vais monter sur le ciment. Parce que je dois y croire. Quel empressement. Des voyez ma mais tu dois savoir ce que c'est. L'œuvre qu'il faisait. Et là, vous savez, il y a pas de gérard. Dans ces œuvres, les gens des doigts ou des impôts. Eh, ma tempo. Ma soupe est au Dikouna. Il y a beaucoup de péchés de fraude. Même la mère est massachée. Et même du temps, on les achète. Confiscation à Milouama. Pas des ordres. Des désordres. Au moment où on t'a dit qu'on a l'impôt, ou bien on t'a dit ceux qui. Ma mère, par exemple, on dit terminer ma société. On les appelle, c'est les auditeurs. Au moment où on a dit 8 parcelles. Il achète 8 parcelles. Dans 8 chips. Avec 8 chips. Tenez, c'est les là. Forêt. Moïbi. Massaché. Va désacheter. Mais on s'en va dans les avions bien. Maintenant tu me trouves une bonne vie. Mais ça bien. T'es. Non. Ça va confiner mon amour dans un pays. S'il ne va pas le voir, il ne verra pas le Seigneur. Amour dans un pays. Il ne verra pas le Seigneur. Mais sachez. Alors, que non. Seigneur. Comment t'as raconté qu'il en a mon aide? Il était entré dans sa maison. Ah, tu es un métier. Les Juifs ont dit. Ah, quoi, t'as l'entendu déjà là? Il entre dans la maison de cet homme de loi, les impôts. On t'a dit, non. Bah, c'est trop bon, on t'a dit, on va t'aider. Nous sommes un peu à côté d'un ami. Quand il est tracassé, il a. Mais il n'y a pas de sachet. Nous tenions son gars dans un qui nous connaît. Ah, mais ça qui vient là-bas. C'est bien là, moi, oui. On veut voir Jésus avant-hier. Et comme Jésus est entré. Et t'as les amis, que. C'est l'aime. Ah, quel est le son qui s'est réglé comme dans la société. Rembourser les choses des gens qu'ils avaient bloquées. Les choses qu'ils avaient bloquées. Ah, c'est vraiment. Il y a mal lui qui est non, c'est lui-ci aussi qui est fils d'Abraham. Et au père, ça dit mon amalama. Sokozan, Biokolo, Sakabadouan, Tika. Si tu fais ce genre de tracasserie, abandonne. On s'est contenté d'un salaire, Nayon. Contente-toi de ton sort. Même soldat. Jean-Baptiste a dit, on s'est contenté d'un salaire, Nabino. Contentez-vous de votre solde. Voilà les armes de l'événement. Là, c'est comme ça. Tu vas voir un roulage, un vrai roulage. Mais, à ce moment-là, tu es là. Mais il a rebâti une belle maison. La salaire, avec quel salaire, frère? Donc, aujourd'hui, papa, tout. Donc, tu voles les gens. Mais pour perdre le salut. Mais pour la compagnie qui s'allobie qu'on a eu. Mais ça pour apparaître bien, on s'en est bien. Mais pour s'arrêter. Mais on s'est détruit, il y a mon corps. Mais tu t'es détruit toi-même. La justice. Oui, Gébéné. Convivre la justice. Oubika, oui, Gébéné. Est une souffrance. Et une salive sur la terre. Ah, voilà, ma béni. Il y a de nos frères, de ma sœur, de Missou. Il y a de nos sœurs. Bah, on va s'appeler notre mère, Musika. Celles qui sont au loin. Ils ont aussi un combat dans ma camarade lesbienne, ma camarade homosexualité. Ils ont des combats en ce qui concerne les lesbiennes. Pour qui colombaté que. Tu ne peux pas dire. La Bible est interdite en gros. Il dit oui, ma camarade homosexuelle. Pour ça, ma mère, tu vas manquer même d'emploi. Un homme avait frappé son chien en Grande-Bretagne. Un homme avait frappé son chien en Grande-Bretagne. Et elle, son ami avait filmé le film. On a coupé tous les contrats. Pour Abeti Mouan. Parce qu'il a tapé son chien. Parce que là-bas, les chiens ont poussé. Et même le chat. Le chat a plus de valeur que l'homme. Beaucoup de territoires, même au Canada. Le chat a qui monte ma valeur. A plus de valeur qu'un homme. Il faut que le monde les a sales. Le monde qui les a ressortis. C'est la perfection. Vraiment, le Yahoui. Allemagne. A demandé qu'à moi inceste. A ôté l'inceste. Donc, maman. Donc, une mère. Moi, je n'ai pas mal de bota. Donc, ton propre fils que tu as en soi. Si tu as des sentiments. Et ça, normal pour sa mamie. Moi, en Allemagne. Là, en Allemagne. Parlement de la mort premier du missile loi. Et l'homonie inceste. A voté l'inceste. Et l'homonie même a voté pédophilie. Avec les choses de pédophilie, qu'on n'y a pas dans lequel. Donc, au gros, on y a papa, on est dans une mois, il y a 12 ans, il y a 10 ans. Papa, tu crois. A aucun laïa, il y a déjà une loi, il y a créé un mot. C'est le monde. Les hommes qui lit.
Et c'est ça, le Seigneur nous a dit que nous allons comme Sodome et Gomorre. Le monde sera comme Sodome et Gomorre. Jésus-Christ ne marche jamais. Jésus-Christ a dit qu'à la coco salée. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y avait l'ordre qui était tourmenté dans ma campagne. Il a gardé toujours la position de la parole. Il a toujours gardé la position de la parole. Aboya qui qu'on rejetait. Il avait refusé de rejeter. Et c'est pourquoi la gâtinaille. C'est pourquoi en toi aussi. Il faut qu'on garde position et la parole. Tu dois garder la position. Oh, mais moi, capté la gâtinaille à ma paix. Que tu ne puisses pas te précipiter. Et c'est ce que le Seigneur a témoigné qui est fait. Et c'est dans cela que le Seigneur avait témoigné fait. Le Seigneur avait dit que je connais ton travail. Ta persévérance, ta foi, donc ça a un bon témoignage. L'Église avait un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons d'abord pour nous recommander entre les mains de Dieu. Zambé a bomba yo abate la yo. Que le Seigneur te préserve, qu'il te garde. Ma baisse mingi na mabele. Il y a beaucoup de péchés ou de mots. Ça va protéger you. Que le Seigneur te protège. Devant ce monde pervers. Si vous savez qui veut aboya ou. Dans nos pierres à terre qui n'a acte 2. Lorsque Paul s'est élevé dans ma pierre. Pierre. A remis par plusieurs exhortations. Dans ma lettre ici est mêlée. A vrai quoi il disait le peuple. Il disait au peuple. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous m'avez dit qu'il s'allait que Dieu y a Yahouli. Génération est perverse. Cette génération est vraiment perverse. Donc, Bazan Amakambo va dire qu'il y a Yahouli. Ils ont des choses qui sont vraiment des perversités. Yo, on s'est sauvé, on dit Manakati. Et toi, sauve-toi de toutes ces choses. Le Seigneur a protégé. Et le Seigneur te garde devant toutes les tentations. Oh, trahir la parole de Dieu. Et tu ne puisses trahir la parole de Dieu. Oh, garder la parole de Dieu jalousement. On dit qu'il n'a pas encore fait. Tout ça, mais il s'appelle. On prend les mains de Dieu, prions le Dieu vivant. On sait l'on a mon aîné, ça peut être bien dans mon roi. Osaïe pour le bon assaut, puissant sauveur divin Jésus. Osaïe le Dieu saint, glorieux Yahweh. Le sang des saints puissants. Mon appui Yahweh, n'a dit à nous yonder Osaïe pour le bon. N'a pas dit pour t'attendre à parce que yonder Osaïe pour si maman, c'est la bonne école. Battez la main à peine, battez. Libosona bitumanyo sona batte la parole. Nous l'égalerons à côté pour les tâtes de la vérité. N'aie élevé ta grande roche. N'aie élevé ton nom grand puissant. Amen. Oh, protégez ma vie. Batte à mon inangai. Seigneur, bobo inangai tâtes de la tombe. Seigneur, que ma vie confesse ton nom. N'a élevé toujours la foi. Que j'élève toujours la foi. Gardez-moi, c'est la persévérant. Garde-moi, Seigneur, d'être persévérant. La vision qui s'assimente, Seigneur. Que je ne puisse pas reculer au Dieu. Mais n'a témoigné la parole. Mais que je puisse témoigner la parole. Mon sauveur, mon kiné, Tananaï, je suis du monde de mes rétiennes. Nazala, Miléia et Tomo, que je ne sois pas la proie de l'impudicité. Nazala, Miléia, pas la proie de l'orgueil. Nazara Milei, amour de la gente. Que je ne sois pas la proie de la cupidité. Nazara Milei, amisouma tamotote. Je ne sois la proie d'aucun péché. Mais que mon cœur souvenir devant toi. Et que ma vie élève ta parole. Puissance, mon frère. Au bas de la haine, ça m'a pris, ça m'a fait, 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 ça m'a f
Parce que c'est toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ton ennemi nous allons nous opposer à tout cœur. À tout vent des ténèbres. À piège nous sur l'ennemi à préparer contre. Et tout piège tendu par l'ennemi contre. Oui, à préparer contre seul frère. Et tout piège tendu contre le bien-aimé. Oui, à préparer contre la salle d'Azambé. Et tout piège tendu contre les serviteurs. Échoué. C'est la puce échoué. Au nom de Jésus, la compo de Jésus. Au Dieu grand et comparable à vos chiens. Dieu de grâce, de paix, de miséricorde. Il est tellement grand et Dieu qui est Dieu, c'est la prière. Au nom puissant de Jésus, la compo de Jésus. Au Jésus, sois béni. Sois loué, Jésus, mon Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, grand théologien puissant. La télémie, mon bonheur, son amour, il n'y a pas de temps. La salle de conseil, la parole est dans le temps, il s'en va dans le temps. On s'appelle dans le monde, il s'en va dans le puissant. La divinité, c'est la puissance. Puis là, on s'appelle dans la pauvre, la puissance. Son Dieu, il est dans le temps. Présence dans le temps, il s'en va dans le temps. Merci Nangolou. Merci pour la grâce. Merci à la solution pèse la carte de la vie. Merci la solution que tu as donnée par lui. Merci Zamé Nabiana. Merci le Dieu qui nous a prière. Mako Sunga Mayo Sungi Seigneur. Il est le Seigneur que tu nous as montré. Nous amis Molon qui vont les appeler. Il est le grand vainqueur, le Dieu qui nous a prière. Sois béni Jésus. Bambo la main sous Christ. Que Dieu te bénisse. Ça ne va pas vous mettre Jésus-Christ dans mon corps.